Bon, alors. Ça a l'air de fonctionner. Pardon. Il y aura un écho, vous inquiétez pas, mais je vérifie parce que il y a eu un petit souci tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. La semaine a bien commencé pour vous. Petite info, j'ai balancé la vidéo. J'ai balancé une vidéo tout à l'heure. Sur Twitch et YouTube, il s'agit de la fin de Wall-E. Vous savez que la semaine dernière, j'ai pas réussi, je n'avais pas réussi à terminer le jeu parce que j'avais de la fatigue et tout. Donc là, en fait, j'ai fait une petite vidéo tantôt et il se trouve que mon micro fonctionnait pas très bien. Hein, vous verrez pendant toute la vidéo, le son de ma voix est un peu haché. Et j'ai pas pu contrôler ça puisque c'était en enregistrement. J'ai pas pu enregistrer. Enfin, quand la vidéo était enregistrée, c'était trop tard. Je pouvais pas le régler. Et j'ai pas pu refaire une vidéo non plus parce que ma sauvegarde automatique a écrasé ma sauvegarde de la semaine dernière. Ce qui fait que je suis désolé, mais vous allez devoir vous contenter de cette vidéo-là. J'ai terminé le jeu. Hein, c'est la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que voilà, ma voix n'est pas terrible. N'est pas très audible. Je vais vérifier que c'est bon. Voilà, c'est bon. Ma voix, faudra pas hésiter à me dire si ça saccade ou pas. Logiquement, non, ça devrait pas saccader ce soir. J'espère pas parce que là, ça commence à être un peu agaçant. C'est le matériel hein, qui est comme ça. Je ne fais pas de réglage, mais je sais pas pourquoi ça déconne comme ça. Toujours est-il que ce soir, j'entame un nouveau jeu. Enfin, un nouveau, non, parce que ça fait. Je vais le finir déjà deux fois. Mais je recommence un autre jeu. Ce jeu, c'est Ratchet and Clank Quest for Booty. Alors oui, le robot et Twitch l'ont désigné comme Ratchet and Clank Future Quest for Booty. C'est pas futur, il n'y a pas futur, hein, vous le voyez devant. Par contre, la jaquette, j'ai regardé, ça a l'air d'être la même. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ce futur. Enfin bon, l'important c'est que je joue au bon jeu, hein, il n'existe pas, de toute façon Ratchet and Clank Future, je ne pense pas. Enfin, je vous invite à regarder et me dire si vraiment il a existé sur peut-être sur d'autres plateformes et sur PS3. En tout cas, c'est bien Ratchet and Clank Quest for Booty. Je vous rappelle, c'est un jeu de plateforme. Hein. Alors, c'est pareil, encore une fois, le jeu. Ça va pas être un jeu qui va durer longtemps. C'est une petite aventure, c'est indiqué sur la boîte. Alors je vais mettre en facile. Hein, vous savez, vous connaissez maintenant facile. Luminosité, on va laisser comme ça. De toute façon, je fais ça le soir. Et je vais créer une nouvelle sauvegarde. Alors là, justement, là, comme je... De toute façon, c'est en mettant dans les menus. Je vais juste vérifier si c'est bon. Alors, salut Amar, bonsoir. Il était une fois un jeune et intrépide Lombax qui devint riche et célèbre en débarrassant la galaxie de l'empereur Comment ça Constantin va, et Amar? du capitaine Romulus Slag. Ça ne va pas se passer comme ça. Qui s'est amusé à débrancher ma manette? Et tandis que la paix était rétablie sur Polaris, son fidèle acolyte fut enlevé par des créatures qu'on appelle les Onis. Très bien, quoi de neuf depuis? Toujours sur Call of? Puissant appelé Lyris, il réussit enfin à trouver une piste. Un vieux capitaine susceptible de détenir la clé de la dimension Zoni. Un pirate du nom de Darkwater. Ouais, des fois, ça arrive à retourner, parce que je sais que t'avais des soucis pour faire tourner tes jeux à Black Ops 2, Black Ops, ça va, t'as plus ce problème-là maintenant? Dans les parages. Attention, Ratchet. Sur Verdegros, l'anarchie règne. Les visiteurs indésirables ont une fâcheuse tendance à disparaître. Hélas, mon cher. Ah, c'est cool. Si t'as plus le problème, c'est cool. Personne, sauf à moi. Ah, ça fait un bac que j'ai pas joué, moi. C'est que j'ai plus trop le temps. Tu n'auras jamais mon corps, même
Mais là, c'est vrai que. Ouais, avant c'était le lundi soir, je jouais, mais là, j'ai privilégié un petit peu les jeux d'aventure. Parce que c'est des jeux qui dorment que j'ai. Enfin, si celui-là, j'ai fini. Mais je les ai pas vendus, hein, t'inquiète pas, hein, même si j'ai commencé à vendre des jeux, les Call of, je les vends pas, donc. Ce n'est que partie remise. Je sais pas si tu connais Ratchet & Clank, tiens d'ailleurs, on va parler de ce jeu. Je vais mettre moins fort à tes risques. Alors. Eh ben, ça aurait pu être mieux. Appuie sur. Bah, ça y est, pas besoin de me le dire. Tu connais? Tu as joué à celui-là ou pas? Je peux pas le prendre lui? Nexus, ah bah j'ai pas joué, il est comment le Nexus? Le Nexus. Ah! Ah, faut que j'aille là. Oh. Essaie de quoi qu'elle me dit là? Attendez, je vais voir. Je vais peut-être mettre à augmenter le son de, des voix. Volume des voix. Non, hop. Merde. Oh, c'est bon, ça s'est sauvegardé. Je vais mieux entendre parce que là, du coup. Vraiment, je me rappelle plus, ça fait longtemps, j'ai eu une bonne nouvelle, j'ai eu la PS4 et la Xbox. Ouais, la PS4. Il me semble, parce que je te vois des fois jouer, et t'es sur PS4. Ah bah j'ai toute ma vie, bon bah c'est nickel, j'ai toute ma vie. Alors là non. C'est par là. On va prendre des boulons. Merde. Que je gaspille pas trop les munitions. Non, malheureusement, t'as eu la Xbox One. La mère, elle a mis la PS4 plus cher que la Xbox One. Ah merde, c'est con ça. Bah, en plus, c'est con parce que moi, j'ai plus ma Xbox One. Moi, elle est morte. Enfin, elle dit plus les jeux en disque. Donc, comme j'avais que des jeux en disque, donc on pourrait même pas jouer ensemble parce que j'ai plus la Xbox One. J'ai la Xbox 360 est la première Xbox, mais j'ai pas la Xbox One. Oh. Et t'as quoi sur Xbox One du coup? Parce qu'il y a quand même des bons jeux, hein, à vaut le coup quand même. Mais peut-être moins que la. Peut-être moins que la PS4 au niveau quantité d'exclus, mais elle a quand même des jeux sympas la Xbox. Mmh.
Alors oui, il y a une petite jauge là en haut à gauche. Vous voyez, V3, il y a une petite jauge en bas, enfin juste à côté, qui se remplit. Ça, c'est la jauge d'expérience. Voilà, le niveau a augmenté. Donc ça veut dire que mon flingue, il serait plus puissant. Je sais pas comment faire pour le changer. Peut-être que je peux voir inventaire. Alors, c'est quoi le flingue? Voilà, combusteur. Non, je peux pas. Alors, il y a un endroit où je dois aller là. C'est où? Attends. Allez hop. Goodbye. Voilà. Tac. Ah, je vais regarder si je peux démolir la porte. Boum, allez. Ah, j'ai plus de mission. Alors tu disais Black Ops 3, Advanced Warfare, BO1, W3, Warzone, Hitman 2, FIFA. Oh la vache. Need for Speed Payback, Need for Speed Head. Oh bah ça va, Yon, bah t'en as des jeux. Tu l'as eu d'occasion ou Voilà, j'ai mieux le truc. Non, mais t'as eu les jeux à. Tu les as eu d'occasion, les jeux ou Enfin, t'as eu toute la console neuve ou d'occasion, parce que tous les jeux que t'as eu, quand même. C'est énorme. Tiens, lui, faut que je. Allez! Ah ouais, et des jeux comme ça. Bah ça va, tranquille. Ouais, c'est une bonne affaire quand même. Avec tous les jeux que t'as eu là. T'as les Forza, je te conseille les Forza. Si t'as mis un jeu de caisse. Surtout les Forza Horizon qui sont super. Et Halo aussi, tu peux peut-être aimer Halo. Halo Gear. Si t'aimes bien les FPS, Halo, c'est pas mal. Oui, Captain. T'en prie, les gars.
T'as aussi quoi? Forza Horizon 4 et Halo 4. Ah bah c'est des bons jeux ça. Ouais, c'est des bons titres ça. Bah faut une Xbox c'est obligé d'avoir ça. D'ailleurs, je ferai un stream sur Forza Motorsport 1 sur Xbox mercredi, ça t'intéresse. En rétro gaming. Mercredi, je vais faire de ça. Du Forza Motorsport 1. Tu pourras voir la différence. Ouais, puis demain soir, ce sera God of War. T'as déjà joué à God of War? T'as vu, je pense. Petite note. Ouais, le retour. Hein. Et je reviens sur les lives. Et j'espère que la prochaine fois, je reviendrai sur... J'espère que je reviendrai la prochaine fois sur... Il est beau graphiquement, il est vachement bien foutu. J'adore les textures de ce jeu. J'espère la prochaine fois revenir sur Call of War. Ascension. Ouais, bah là, c'est le tout premier God of War. Ce sera le tout premier. Et franchement, il est vraiment propre, hein, le jeu. Sachant qu'il est sorti dans les débuts de la PS3, celui-là. C'est pas un des derniers jeux PS3. Hein. Je trouve vraiment beau. Hein. Après, c'est une petite aventure. Ils ont vraiment misé sur la qualité graphique du jeu. Hein. Et il était sorti sur PS2 aussi. D'ailleurs, ce jeu. Mon booster pack ne peut porter qu'une personne. Tes bottes gravitationnelles fonctionnent ? Mais dès que j'ai su que God of War... Ah oui, c'est que Play, ouais. Malheureusement, tu pourras pas jouer tu pourras pas jouer à God of War le... Alors ? Ah, j'ai plus le flingue. Ah, la baise, j'ai plus le flingue. Mais après, t'as des bons titres. Hein. Moi, je te conseille Gear of War, par exemple, si t'aimes bien God of... Si t'aimes bien le style God of War. Le gameplay Gear of War, c'est pas mal aussi. Hein. Je te conseille. Merde. Il ne nous a pas envoyé là sans raison, Tal. Il y a forcément un lien. Alors là, en fait, je retombe au tout début. Ok. Faut pas retomber par là. Le pont-levis est grippé. Hé, hey, tu peux peut-être faire quelque chose avec la longe cinétique de ta clé. Ah, il disait R2 carré. Ok. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est dommage, mais de toute façon, j'ai encore la PS3 avec tous mes jeux. La Wii avec tous mes jeux aussi, moi, oui. Je vais faire une vidéo sur la Wii et je vais l'appeler Nostalgie Nintendo. Exact. Mais ouais, ça... Elle marche bien encore, la Wii. C'est dingue. Et là, ouais, je pense que je vais beaucoup me faire de la PS2, quoi. Et bienvenue sur l'île d'Ulfar. Je m'appelle Barnabus Worley, mais tu peux m'appeler Monsieur le Maire, si tu préfères. Qu'est-ce qui t'amène ici?
Le surprenant. Allez, je vais mettre juste. Oui, bonbon. Eh bien, je ne sais pas si tu auras beaucoup de clients pour ce genre d'article sur cette île. On voudrait contacter l'un de nos amis, mais impossible de capter le moindre signal. Vous n'avez pas de pylône radio dans les environs? Désolé, Miss. On avait bien un phare magnétique, mais quelqu'un l'a détruit la nuit dernière. Cela dit, si tu nous aides à le réparer, je suis sûr que tu pourras contacter ton ami sans problème. C'est vrai? Ah, ça fait plaisir à entendre. Tu n'as qu'à escalader chaque éolienne pour donner un tour au grand Coboulon. Occupe-toi des éoliennes, je vais voir en hauteur. Si je peux capter un signal, nous pourrons peut-être demander à Pete ce que nous sommes censés chercher. Mais ouais, je me mets un petit peu à la PS2 et puis en même temps, bah... Donc là, il y aura du Ratchet, hein. C'est pareil, je sais pas si t'as connu les premiers Ratchet & Clank. Mais je vais sûrement les streamer de ces 4. Voilà. La galaxie est petite, hein. Oh, trop petite. Alors, qu'est-ce qui t'amène sur Verdegros, l'ami, dis-moi. Oh, quelle coïncidence. Je suis moi-même ici pour me détendre un peu. Oh, quoi, c'est la bulle. Oh. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait être utile. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je suis en mode jeu de plateforme, là, je me suis ça. Alors que je l'ai eu dès la sortie, la Wii, moi, je pense que c'est assez, mais je l'ai aussi avec le volant Wii, Mario. Alors, t'as vu... Ouais, la Wii, il y a des super... Oh, Mario Kart, c'est super. Tu ne vois donc pas que je suis complètement à sec, fiston? Ok, bon, d'accord, il me demande de venir le voir, mais il peut pas. Mais ouais, bah du coup, je les streamerai aussi et je serais pas surpris qu'on me demande de les streamer jusqu'à la fin. Bah, comme God of War, c'est Shiva, il m'avait dit ouais, tu devrais jouer jusqu'à la fin au jeu God of War, donc je vais y jouer. Et mais en ce moment, ouais, je suis en mode plateforme, donc tout ce qui est là, je m'étais ce week-end, je me suis sorti le Jak and Daxter sur la Vita, je sais pas si ça te parle. Je pense pas que je puisse aller là. Non, c'est fermé. Et c'est pareil, c'est un jeu PS2 qui a été remasterisé sur PlayStation Vita, PS4 aussi. Oh, sapristoche! C'est déjà la troisième fois cette année que ces vieilles éoliennes tombent en panne. Il y a un saboteur, je te le dis. Quelqu'un doit bidouiller mon matériel. J'ai un type bizarre qui traîne du côté de la plage. Un grand gars, un perroquet agaçant. Il passe son temps avec ses fichus pirates. Enfin bref, mon beau-frère était censé revenir pour réparer ses éoliennes, mais je suis sûr qu'au lieu de ça, il est parti pêcher. Tu penses que tu pourrais me filer un petit coup de main? J'aimerais bien le faire, mais j'ai un peu le vertige. Oh, ce serait sympa, étranger. Et donne quelques tours à ce grand Coboulon là-haut, ça le fera repartir. Bonne chance. Darkwater? Désolé, étranger. On essaie d'éviter le sujet dans la région. Rapport à la malédiction. Bon, alors, apparemment, il faut que je monte sur l'éolienne et balancer un coup de boulon. Oh oh. Ah, les petits jeux de plateforme qu'on les aime. On peut pas. Ça qui est dommage, je peux pas me déplacer plus vite sur la rambarde. Je vais m'acheter un adaptateur pour mettre la Wii sur la télé. Et tu savais qu'il y avait un truc, j'ai vu ça, et ça tu vas kiffer si tu aimes bien faire les vidéos. Tes parents vont me détester. Tes parents vont me détester à mort, mais il existe un boîtier pour pouvoir jouer
à la... Ah oui, c'est la Switch, mais ça se trouve, ça peut marcher aussi sur la... Sur la... la PS3, tout ça. Tu peux, même la Xbox One. Hein. En fait, c'est un boîtier qui permet de jouer à la console sur ton... sur un PC, sur un écran d'ordinateur portable. Et en même temps, tu peux streamer. Tu peux faire des vidéos de stream et tout. Et le boîtier, il coûte... Enfin, il va sortir, ou il est déjà sorti. Et c'est carrément moins cher, c'est carrément moins cher qu'un Avermedia ou un Elgato. Hein. Et ça, ça peut être une idée. Hein. Alors il a fini, non? Merci étranger. Encore 4 éoliennes et on aura de nouveau le vent pour... D'accord, donc faut que je fasse les éoliennes, faut que j'en fasse 4. C'est excellent. Salut mon petit gars. T'as trouvé des clients pour tes brise-bonbons bidule chouette? Le sol de cette île regorge de trillium. Ce minerai provoque des interférences sur la plupart des vaisseaux, et ce phare est notre seul moyen d'y remédier. En gros, pour te dire le prix, je crois que c'est entre 20 et 30 euros le boîtier. Enfin, le boîtier, c'est une clé en fait. C'est une clé Wi-Fi ou un truc comme ça, une clé. À remettre ça ou qu'on ouvre la porte. Darkwater travaillait dessus avant de se faire assassiner. On l'a scellé après sa mort. Je crois que tu ferais mieux de l'oublier. Pour mutinerie, je crois. D'après la légende, Slag a jeté l'encre dans les cavernes de l'eau. C'est les prix, hein, 30 balles. Ceux qui refusaient de l'appeler capitaine, y compris Darkwater. Depuis, les gens du coin aiment faire peur aux touristes en racontant des histoires de fantômes. En gros, 30 euros une PS2, une PS3 c'est 50, mais PS1 et PS2 c'est 30 euros d'occasion. PS3 c'est 50 balles. Et PSP 50 euros et PS Vita entre 100 et 150 euros. Je me suis acheté une PSP, moi, le mois dernier, 50 balles, en bon état. Et j'en suis très content, j'ai pu rejouer à... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? J'ai pu rejouer à, comment ça s'appelle, à Gran Turismo. Parce que ça faisait presque 10 ans que j'avais pas rejoué. Boum, on va venir. La PS2, ouais, c'est pas... Mais pourquoi il fait ça, du coup? Je peux pas le brancher, là? T'as la PSP, la PS Vita, mon copain. Ah, c'est cool! Ouais, PS Vita, il y a pas... Sur PS Vita, t'as pas GTA. C'est que sur PSP. Et qu'est-ce que j'ai? Bah ouais, j'ai pour l'instant j'ai les Gran Turismo sur PSP. Et je vois, je crois que j'ai un jeu. Je vais essayer aussi un jeu de stratégie. Non, un jeu de réflexion. Et t'as quoi sur PS Vita?
Merde. Alors? Ouf. Heureusement, je suis en facile. Spider-Man, il est bien Spider-Man sur Vita? J'ai pas énormément de jeux sur Vita. C'est beaucoup de trilogies comme ouais, Jak and Daxter. Je vais voir les Ratchet & Clank trilogie aussi et Sly. Parce que j'avais si des Lego aussi, j'avais des jeux Lego sur Vita. Ils sont bien les petits jeux Lego sur PS Vita. C'est bien foutu. Si Michael Jackson The Experience, j'avais ça. Terrible. Oh, il y a des petits trucs là. Je suis mort. Il y a encore les caisses? Non, il n'y a pas les caisses. Ok, pas grave. Ah, mais t'as raison. Bah, bonne douche à toi. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que je suis un peu perdu pour l'instant. Saleté d'escargot! Aïe! Je comprends pas pourquoi il s'accroupit comme ça. Pourtant, je. Là, il s'accroupit tout seul. Non, ça fait rien. C'est le portail que je vois à la télé. Ça va être ça, je crois. Voilà. Ah oui, les fameux trucs. Ah, j'aurais pu prendre le truc. Yeah. Non, j'ai pas pris. Oui.
Et j'ai fait le tour. Et de 3. Je vérifie si on entend bien correctement. Avec des yeux pour l'écho, mais bon, je m'assure vraiment que le truc, comme j'ai eu le problème tout à l'heure, j'ai pas envie que ça recommence. J'ai plus, faut pas avoir confiance en mon, en son matériel maintenant. Je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes de son comme ça. Est-ce qu'ils ont une piste ? Non. Allez, hop, ça c'est fait. Pourquoi ? Ah, mais... En fait, je dois appuyer machinalement. Elle doit être sensible à la gâchette R2. Et c'est peut-être pour ça qu'il se baisse tout seul. Bon, allez, on revient ici. Et j'ai une petite zone là, tac. J'appuie sur le rond, bazar. Et voilà, bingo. Elle va être longue l'aventure. Ah, je peux pas. À mon avis, il faut que j'aille de l'autre côté. Je peux pas y avoir accès à... avec ces plateaux tournants là. Mais elle saute. Pourquoi il saute pas? Alors la gâchette R2 est très sensible, par contre la croix elle a pas l'air bien sensible. Oh, alors Ah, c'est là que je dois aller, mais... Non, il veut pas. Il faudrait que je le shoot ce truc là. Saleté de cochonnerie de vandale à la noix. Quand est-ce que le maire va prendre les mesures qui s'imposent? Un petit malin s'est amusé à couper l'énergie qu'alimente le phare magnétique. Quelqu'un peut me dire comment je vais faire sans électricité? Ouais, je crois que je vais me faire une pause sans but. C'est gentil de ta part de demander, gamin. Mais y a rien qu'on puisse faire sans électricité. Heureusement que je suis syndiqué, hein. Justement, je devrais pouvoir, mais... Normalement, ce truc-là, je dois... Mais, ouais, si j'ai pas l'icône de la clé, c'est que j'ai un truc à faire. Alors...
Sauf que c'était juste pour ça. En gros, juste pour de la vie. Ouais. Bon, bah ok. Hein. Bon, moi j'y suis allé. Ah si, il y a des écrous et des boulons. Hein. Ah punaise, il faut du feu. Mais non. Où est-ce que je suis? Ok. Il est célèbre, mais oui. Tac. Non. Pareil, les boulons, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je puisse les dépenser. On va peut-être me l'expliquer après. Parce que inventaire. Non. Rien à faire. Alors, ensuite. C'est pas grave. J'ai de la vie. Ratchet, c'est moi. Il se passe quelque chose de bizarre sur cette île. Je suis avec des villageois et... ils parlent d'une sorte de malédiction. Une malédiction? Allons, Tal. Ça n'existe pas. J'en suis convaincue. Je creuse encore un peu et je reviens vers toi. Donc ensuite... Hey, étranger, tu fais du bon boulot. Plus qu'une éolienne et on sera de nouveau à 100% opérationnel. Bon, c'est pas grave.
Avec tout ce que j'ai cassé, tout ce que j'ai récolté, en tout ce qui est quincaillerie, j'en ai que 45 quoi. Alors. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Et 2-5. Oui, si j'étais en... Oui. C'est un peu les bruits de Star Wars, hein, quand même. Je peux pas passer par là. Si. Il manque un verre saboulon grumanette. Je vais voir si je peux en trouver un en ville. Regarde sur la plage. Ce qu'elle veut, elle. Faut que j'aille sur la plage. Mais quoi, j'ai pas compris ce qu'elle voulait que je cherche. J'ai pas bien entendu. Peut-être lui, remarque. Salut, l'ami. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça alors, c'est une chance. J'en ai justement un sur moi. Il a été acquis de façon on ne peut plus légale, évidemment. What? À coup de bec? Et si on faisait un marché ensemble? Et voilà. Au plaisir de te revoir, partenaire. Ok. Je sais pas, je regarde ça, ce truc là, ce que c'est. Je suis pas allé par là. Merde. Non, punaise, t'es par là le truc. Ouais, bon, bah. Je sais pas revenir.
C'est plus court par là. Bah elle est où l'autre? Où est-ce qu'elle est partie la nana là? Hey, t'en as trouvé un? Bien joué gamin. Le comité des phares syndiqués 319 te remercie pour ta contribution charitable. On y va, mets-moi ça là-dessus et... Essaye donc de tourner ça, champion. Ouais, je pourrais le faire moi-même, mais je suis en pause. Les lois syndicales, tu comprends? Voilà. Bah je peux pas aller par là. Voilà. D'accord. Le voilà. Bien joué. Jeune Lombax, j'ai l'immense honneur de t'offrir cet œil d'obsidienne. C'est le télescope laurentien le plus puissant au monde grâce à sa portée de 4,8 trillions de kilos coudés. Il a été conçu avec des lentilles taillées dans le verre d'obsidienne et est alimenté par une seule étoile Fulcrum. Darkwater l'a fabriqué lui-même afin de pouvoir rester en contact avec ses amis. Est-ce que ça peut me dire où ils sont ? Bien sûr, si tu as assez de puissance pour l'alimenter. Tiens, je me suis permis d'emprunter ça dans nos archives. Ce sont des extraits du journal de bord personnel de Darkwater. Journal.
Tal de bord, troisième jour d'août. Mon voyage sur la nébuleuse de Bregus a été vraiment enrichissant. Non seulement j'ai trouvé du punch au creux à appeler sur toute concurrence, mais j'ai aussi rencontré une race mystérieuse qu'on appelle les Zoni. De petites créatures très douces, capables de manipuler le temps et l'espace à volonté. Leur leader m'a donné une étoile Fulcrum que je pourrais utiliser pour leur parler une fois de retour sur Polaris. Ça vaut une petite fortune, mais je ne m'en séparerai jamais, même pour tous les boulons de Meridian City. Mon seul souci, c'est mon acolyte, cet ordure de slag. Je parie que ce ne sera que l'affaire d'une ou deux lunes avant qu'il n'essaie de me la dérober. Mais j'ai pris mes dispositions pour qu'elle reste en sécurité un sacré bon bout de temps. Elle est d'une incantation terracnoïde très ancienne et d'un bon pour un sort gratuit provenant de l'intermagique Boulfard. Je vais lier pour l'éternité mon âme et mon corps. De cette manière, je protégerai l'étoile Fulcrum. Quiconque se mettra sur mon chemin, se mettra sur le chemin de l'équipage tout entier. Parole de mort vivant. L'étoile doit être enfermée avec le reste du trésor de Darkwater. Trouve l'étoile, elle te conduira à ton ami. Ratchet, je crois que je capte un signal. Peter Rouillet pour le long max. J'ai des informations cruciales sur le capitaine Darkwater. Je jette donc sur l'embarcadère d'Ulfa. Terminé. Par ici, l'ami. Je croyais que tu allais retrouver ton ami à l'embarcadère. Ah oui, l'étoile Fulcrum. Cela dit, il ne s'agit pas vraiment d'une étoile, mais plutôt d'un trou noir stabilisé et conservé dans du cristal. Elle permet aux astronomes qui l'utilisent de voir plus loin qu'on pourrait l'imaginer. Et si les Onis sont la dernière chose... Salut Shiva. Regardez, bonsoir Shiva. L'étoile te le montrera à coup sûr. Darkwater avait la réputation d'un homme ignoble, impitoyable et surtout cupide. On disait de lui qu'il avait volé 1 million de... Ouais, bah il y avait Amar qui est venu tout à l'heure, il est parti prendre sa douche, il va peut-être revenir après. Mais ouais, c'est calme là, ouais. Ils ont peut-être eu peur que je fasse du Wall-E, c'est pour ça. J'ai peur de ne pas savoir grand-chose à propos des Onis. Darkwater les décrivait comme de petites créatures qui possédaient le pouvoir de défaire l'existence. Il les considérait comme ses amis, mais c'était probablement par intérêt. Car, si la légende dit vrai, les Zonis auraient vécu autrefois dans un monde d'une immense richesse. J'ai bien dit richesse, le genre de mot qui pourrait faire saliver n'importe quel pirate, même le plus rouillé de tous. T'as passé un bon week-end ? La gorge de Darkwater n'existe pas plus que cette malédiction dont mes électeurs ne cessent de parler. Il s'agirait d'un lieu obscur, gardé par des énigmes et des attrape-nigauds. Selon la légende, seul Darkwater pourrait pénétrer ce lieu sans encourir de danger. Alors, faut que j'aille retrouver mon ami sur la plage. Ah bah ça va, tranquille. Je vois qu'on se prive pas, mais t'as bien raison. Surtout avec le stress que t'as avec ton taf. Enfin, le stress. Les embouteillages. Mais ouais, c'est cool. J'espère, ouais, je vous ai bien profité, quand même. Surtout que samedi, c'est beau. Toute la nuit. Alors, tu as trouvé l'œil d'obsidienne ? Ouais, mais ça ne marche pas. Darkwater a caché l'étoile Fulcrum. Pas étonnant. Ce vieux Gripsou ne faisait confiance à personne. Bon, c'est vrai qu'on a essayé de le tuer plusieurs fois. La bonne nouvelle, c'est que tout bon pirate garde une carte menant à son trésor enfoui. Une carte ? Bien, où est-elle ? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Elle est probablement enterrée avec lui dans les cavernes de l'aube. J'ai une idée, et si je t'aidais à la retrouver ? Direct. Tu voudras, l'ami ? Mais si tu veux cette carte, il va te falloir un guide et un bon. Il a raison, Ratchet. C'est triste à dire, mais on a besoin de lui. Je viens juste de parler à ma copine virtuelle de Lolonette.
Elles viendront pour avec moi. Ok. Bah tu m'étonnes que ça a fait du bien. Ouais. Enfin moi j'y dis rien parce que j'ai pas, je suis resté enfermé tout le week-end. Salut mamie, alors t'as changé d'avis ? Ah d'accord, j'ai pas le choix. Super, j'ai justement la personne. Il m'inspire pas confiance ce petit robot. C'est ce que j'appelle. Bah ouais ça va, une heure quand t'as fait quand t'as fait 3-4 heures de route au moins par jour dans la journée et le vendredi par exemple. Une heure c'est que dalle. Hein. Ça lui va, ça lui vaut le coup quoi. Pardon. Ainsi, notre héros mit le cap sur les cavernes de l'aube à la recherche d'une carte menant à la mythique étoile Fulcrum. Avec Pete le Rouillet, un noble et valeureux corsaire adulé par toutes les femmes de la galaxie. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Est-ce qu'au moins vous savez où on va? Bien sûr que je sais! Je me sers du GPS! Regarde! Tournez à droite après l'île du désespoir. Restez à gauche, 5 lieues. J'adore ce truc! C'est le cadeau que j'ai eu à Noël par ma maman. Arrivez à destination sur la droite. Nous y voilà, les cavernes de l'aube! Célèbres pour leur fjord majestueux, leur galerie chaleureuse. Et leur légion de peinture est en l'heure de leur revanche. Quoi? Quoi? J'ai rien dit. Je ne vois toujours pas pourquoi on a besoin de Slack pour trouver Darkwater. Vous l'avez aidé à cacher le vaisseau, non? Eh ben, j'avais un peu bu. Je me suis réveillé 3 jours plus tard en robe de chambre à pêcher un kershou. Oh, attention à vous! Donc t'es chaud demain en fait, faut trouver le corps de Darkwater avant de quitter la cave. Ok. Demain soir, t'oublies pas ta God of War? J'allais oublier moi. Mais tu m'avais demandé de faire du God of War. Je sais pas si tu te rappelles. Oups. Ratchet, je vais essayer de trouver une sortie. Mais promets-moi qu'on partira d'ici ensemble, ok? Ah ouais, on va rassurer. C'est promis, c'est promis. J'aime pas le robot là. Ce chemin est si dangereux, si interdit, que seule une récitation du légendaire chant des morts peut ouvrir la voie. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picotille, picota, lève la patte et puis s'en va. C'est suspect qu'il arrive à ouvrir la porte comme ça, hein. Ben non, il est con, je pouvais prendre le truc. Tu
C'était quoi ça? Ah. Ouais, j'ai bien une lumière, mais... Elle est où la lumière? Ah, ok. Ah ouais, mais j'ai pas le choix. Bah oui. Donc c'est pas là que je dois aller. Bon, si c'est là, il y a un autre truc à faire avant. Bah c'est un petit celui-là, c'est une petite aventure. Mais ouais, bah tu vas voir, je vais en streamer même avec dans Retour vers le rétro. Là, je sais pas comment faire. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait que je fasse. Et au pire, celui-là. Ou bien. Non, punaise, mais c'est pas vrai. Et je crois que j'en ai un autre sur PS3 aussi. Je dois en avoir deux. Et il y en a plusieurs, mais ouais, c'est pas mal. C'est comme Jack and Daxter. Tu dois connaître Jack and Daxter. C'est pareil, c'est des bons jeux. Sly, tout ça, c'est une tuerie. Encore aujourd'hui, d'y jouer, c'est agréable, quoi. T'as joué au 3, t'as joué auquel, Jack and Daxter? Parce que moi j'ai joué qu'au 1 en fait. Et j'ai pas fini, hein. J'ai dû faire le 1 sur PS Vita à 50%. Et là je l'ai recommencé ce week-end. C'est vachement plaisant à y jouer. Et ouais, les Ratchet and Clank, c'est pareil, c'est super. C'est... Punaise, c'est un petit peu plus facile le Ratchet que le Jack. Punaise, mais je recommence là. Mais c'est abusé. Le 3, il est excellent. Ah, j'avais joué au 3. J'ai joué qu'au 1, moi. C'est dommage qu'ils en aient pas refait d'autres comme Ratchet. Ratchet, ils en ont refait. Hein. Ils vont en faire un autre sur PS. Je crois que sur PS5, c'est pareil.
Mais Jack en Daxter, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Comme Sly. Sly, c'est pareil, c'est des bons jeux. Je sais pas si t'as joué à Sly. Bah c'est super, ils sont géniaux. Ça c'est pareil, hein. Bon bah demain c'est du comment dire du God of War que je vais faire, hein, je le rappelle. Mais un de ces quatre, ça peut être aussi plus tard, une fois que j'aurai fini God of War, un Sly, un Ratchet ou un Jack, hein, sur PS2. Pourquoi il vient pas ce qu'on a? Oh, gentil bébête. Comment faire déjà pour le battre? Je dois lui balancer les trucs dans la tronche, mais quoi? Non, fallait pas encore, c'est pas le moment de le battre. Ou peut-être que je vais pas le battre. Exactement là où on l'a laissé. Et vous êtes sûr que Darkwater détient la carte menant à l'étoile Fulcrum? Sans aucun doute, j'aurais aimé le savoir à l'époque. Avec cette étoile, j'aurais pu acheter des litres de grog, mais je reviendrai pas sur ma part. Ouais. Ah oui. Alors? On se sait, j'ai pas le truc. Ça veut pas. Oh merde. Oh le boulet. Ok, donc en fait, il faut que j'aille par là.
Allez. Ça joue à peine. Ne pas le mettre à côté. Oh putain. Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi? C'est injuste. Le monorail. Tac. C'est vrai que c'est dommage que ce jeu, il dure pas longtemps. Parce que franchement, il est vraiment plaisant. Putain, j'en reviens comme au début. Piou. Alors. Bravo, matelot. Maintenant, sors la rampe et on pourra te rejoindre à bord. Là, j'aurais dû casser les boîtes à rampe. Enfin, les caisses. La bataille la plus juste de toute la piraterie. D'accord. Est-ce que tu veux bien te mettre là, matelot? Je vais voir s'il n'y a pas d'attrape-nigo. Des attrape-nigo? Vous regardez trop la télé? Pas du tout, matelot. Regarde, tu es le nigo. Et voici l'attrape. Crevez et pour l'éternité, mon âme et mon corps. Merci pour ton aide, matelot. J'aurais jamais pu traverser les cavernes sans toi. Enfoiré. Ouais, pourquoi j'aimais pas le robot? C'est un traître. Désolé, mon pote. On se refait pas. Je suis un pirate. Mais voici un petit quelque chose pour te montrer que ça n'a rien de personnel. Salut à toi, moussaillon. Je suis le capitaine Slack, fléau de la galaxie, et... espèce de traître de vaurien, de dégadroïde. Darkwater, tu es culotté de squatter mon corps. C'est le mien, maintenant. Si tu ne la fermes pas, espèce de sale petit morveux, je me fais ton foie avec de la moutarde pour le petit déjeuner. Ouh. Le petit fantôme veut jouer les gros durs maintenant. Oh, te rappelle que si je suis un fantôme, c'est parce que tu m'as planté ce poignard dans le dos, misérable vermine. Eh oh, ça suffit. Je crois que vous auriez besoin d'un bon petit pillage. On va tous mettre le cap sur l'île Doulfa. Ah.
Ouais, j'ai un combusteur. Et il est niveau 3 alors que je l'avais monté niveau 4 au premier niveau, quoi. Enfin, au début du jeu, quoi. Je suis dégoûté. Merde. Allez! J'ai l'impression qu'il respawn à chaque fois. Voilà. Bah oui. Ok, ça marche, Shiva. Bah merci pour ton passage. Puis peut-être à demain si tu veux. Perdu à niveau 5. Si tu veux me voir en train de jouer à la suite de God of War. En tout cas, merci pour ton passage. Puis bah bonne nuit. Hein. Ah si. Ouais, mais si je fais ça... Bah oui. Ok, ça marche, des bisous. Je sais pas s'il faut faire en fait. Je peux pas l'atteindre le truc. Bon, j'attends. Ah punaise, ils n'ont pas affiché le truc, quel con.
J'aimerais bien choisir le truc, tout à l'heure ça l'avait sélectionné. Là ça marche pas. Comment ça se fait que je peux pas sélectionner? C'est énorme. Allez, boum! Un V4. Donc là, je revenais du début, hein, où il y avait les autres méchants. Et du coup, je vais peut-être garder ça, en fait. C'est ascenseur. Donc là, j'ai pas le choix de prendre la navette, je pense. Mais le problème, c'est que j'ai perdu ma... Je sais pas si c'est la bonne idée, hein. Elle m'a dit qu'il fallait que je reparte avec elle. C'est pas forcément le bon truc. Donc, en essayant de récupérer l'étoile Fulcrum, notre héros se fit bien rouler par le charmant Pete le Rouillé. Un pirate loyal dont le seul désir était de faire revenir son très cher Capitaine Slack. Fléau de la galaxie et vainqueur du concours annuel de beauté de la prison de Zordum. Bien sûr, il y eut quelques effets secondaires. Des centaines de pirates morts-vivants étaient libres de sillonner la planète. Et le Capitaine devait maintenant partager son corps avec un pirate qu'il avait tué longtemps avant. Mais l'un dans l'autre, ça fait une bonne journée. Il google. Alors ça donne quoi? Parce que je suis revenu sans la... sans son équipière. Les voilà! Ils nous attaquent! L'équipage de mort-vivant d'Angstrom Darkwater. Tiens, c'est pour toi. La mère a rejeté ça cet après-midi. Ouais, un peu trop de... Va chercher l'œil d'obsidienne! Des pirates morts-vivants! Chauve qui peut!
La malédiction de Darkwater! La légende dit c'est vrai! Sauvez-vous! Ah, c'est un bien bel équipage que voilà, Darkwater! Dommage que j'ai dû les tuer il y a si longtemps! De l'eau a coulé sous les ponts, mon gaillard! Il n'avait pas plus de valeur vivant! J'en sais quelque chose! J'ai essayé de les vendre! Allez, hop. Si possible, utilisez des attaques de mêlée pour tuer et torturer les villageois. Ça nous permettra d'économiser au moins 100 balles. Maintenant, on sait ce que signifie BS. Le vaisseau de Darkwater n'est rien sans citrouille. Avalé avec le poste de défense et il battra en retraite sur le champ. Oh, c'est inversé. Allez, boum!
Ah, faut bouger la manette. Laissez-moi deviner, les lois syndicales, c'est ça? Oui, exactement. Il faut rattraper Darkwater avant qu'il ne revienne semer la pagaille. As-tu une idée d'où il a pu aller? Mais l'étoile Fulcrum n'est pas aux cavernes de l'aube. Nous l'aurions trouvé. Il n'y a pas un autre endroit possible? Pas ton problème? Si on ne trouve pas l'étoile, tu ne reverras plus jamais Clank. Une carte? Ratchet? Ça pourrait être l'endroit où se trouve le trésor de Darkwater. Essaie de trouver quelqu'un pour la traduire. Bravo! Bravo! Tu assures, gamin! Non, mais qu'est-ce qu'il me veut? Salut, l'ami! Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Je crois que c'est ton jour de chance, l'ami. Il se trouve justement que je sais parler couramment le décadroïde. Je serais très heureux de pouvoir te servir de guide. Mais bien sûr, je ne travaille pas à moins de... Là, de gros sous. Oh, merci beaucoup, l'ami. On y va. Hé, hey, partenaire, qu'est-ce que tu dirais de... d'emprunter cette yole? Contrebandier tint sa parole. C'est donc avec l'étoile Fulcrum en sa possession et l'envie irrépressible d'aller au pub que notre héros se mit en route dans la nuit. Sa destination, l'aventure. Hey, t'en fais pas un peu trop là, hein, vite. Tu es sûr que tu veux entrer là-dedans, l'ami? Ses oreilles ont entendu des histoires très dérangeantes sur cette île ancienne. Cette étoile est mon seul espoir de retrouver Clank. Je ne partirai pas sans elle. Bon, très bien. Mais je ne pouvais pas laisser partir mon client préféré sans lui proposer un petit bonus. Pourquoi tu ne prendrais pas ses armes? Je les ai trouvées près de l'île d'Ulfar. C'est vraiment rapide, hein. Au niveau des armes. Bon bah, même au niveau des morts, c'est rapide. Ouais, elles sont quasiment... Je les ai quasiment toutes débloquées, les armes. Qui ose pénétrer dans la gorge de Darkwater. Présentez-vous et priez pour que j'ai entendu parler de vous. Capitaine, est-ce vraiment possible? Vous ne lui ressemblez pas du tout, mais ça fait bien longtemps.
et ma vue commence à montrer des signes de faiblesse. Si vous êtes vraiment Darkwater, prouvez-le-moi! Battez-vous comme lui! Ok. Super, je pensais juste y arriver avec plus d'attrape-nigo. Ratchet, regarde, c'est sûrement la salle du trésor de Darkwater. Darkwater a dû passer par le lagon. Allez, il faut qu'on ratisse l'île. Alors, ce lieu est réservé uniquement au capitaine Angstrom Sarkwater. Enfin, je veux dire Darkwater. Faites-moi un cocktail et je vous autoriserai à passer. Quelques petites bulles légères et un bon froid de canard, agrémenté d'une tornade et le pirate sautera au plafond. Non. Les ingrédients m'ont l'air bons, mais l'ordre ne va pas du tout. Quelques petites bulles légères et un bon froid de canard, agrémenté d'une tornade et le pirate sautera au plafond. Là, c'est le froid, les petites bulles légères, quelques petites bulles légères aussi. Un bon froid de canard. Qu'est-ce que vous voulez, me tuer ? Encore une fois ? Quelques petites bulles légères et un bon froid de canard, agrémenté d'une tornade et le pirate sautera au plafond. Ah, la tornade, donc il n'y a pas besoin de ça.
Non. Encore une fois, quelques petites bulles légères et un bon froid de canard, agrémenté d'une tornade, et le pirate sautera au plafond. Ah, ok. Merde, même le poison, c'est meilleur. Et je sais de quoi je parle, j'ai été empoisonné. Quelques petites bulles légères et un bon froid de canard, agrémenté d'une tornade, et le pirate sautera au plafond. Là, ça donc. Une légère amertume, juste ce qu'il faut de bave de lit. Ouais, je pense que je vais arrêter. Réussite, je dois le dire. Bravo. Et maintenant, j'ai 22h30. Passons à la suite. Un soupçon de cyclone et une pincée de feu ardent. Ajoutez quelques bulles et l'honnête homme vend son âme. J'ai goût de citron, un taux de destruction neuronale dosé à la perfection. Vous avez encore réussi, mon cher. Vous êtes peut-être Darkwater, après tout. Et maintenant, la dernière épreuve. Une pincée de tourmente et un trait de chagrin d'hiver, saupoudrés de soleil doré pour des lendemains bien meilleurs. Vous ne pouvez pas être Darkwater! Imposteur! Une pincée de tourmente et un trait de chagrin d'hiver, saupoudré de soleil doré pour des lendemains bien meilleurs! Vous voulez me tuer? Encore une fois? Une pincée de tourmente et un trait de chagrin d'hiver, saupoudré de soleil doré pour des lendemains bien meilleurs. Un peu acide, je dois le dire, mais le léger voile d'excréments de verre pourrait presque faire penser à un de ces succulents châteaux Villa Santé. Vous avez réussi, capitaine. Bienvenue chez vous. Laissez-moi vous montrer le chemin. Bon, de toute façon, je ferai ça ce prochain. Je pense que je vais le faire en deux lives, le truc. Parce que l'aventure est sûrement sur le point de se terminer, mais ça va faire trop tard. Donc, j'ai sauvegardé. Hop, j'ai créé une nouvelle sauvegarde cette fois-ci. Mais bon, il n'y aura pas trop de difficultés à terminer le jeu. Donc, après, je fais. Il n'y a pas option principale, non? Mission. Non, je sais pas. Non, c'est tout. C'est tout. Bon. Ah, il y avait une map, donc. Je peux pas quitter le menu. Mission. Liste de mouvement. Option de commande. Non, il y a pas. Bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter là-dessus. Ouais, je pense que je vais le faire en deux lives. Hein. Je crois que ça dure vraiment pas longtemps là. Je sens un peu la fin.
du jeu. Je viens de le commencer, mais c'est vraiment une toute petite aventure, c'est ce qu'ils avaient dit. Mais il me semble que, je crois que j'ai un autre, j'ai regardé, mais il me semble que j'ai un autre Ratchet & Clank. Je vais regarder ça vite fait, avant de vous quitter. Pour vous confirmer que je pourrais en refaire un autre sur PS3. J'en ai sur PS2, mais bon, sur PS3 c'est sympa aussi. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais il me semble que j'en ai un autre Ratchet. Sur PS3. Et c'est pas le Nexus comme Amar avait dit. Auquel il avait joué, c'est celui d'avant. Je crois que c'est même pas la taille, ça compte, c'est un autre encore. Alors, Ratchet & Clank. Ouais, c'est ça, j'ai Opération Destruction aussi, donc voilà, je vais pouvoir le streamer un de ces quatre aussi pour compenser. C'est ça que là, je pense que le jeu est sur le point de se terminer. Une fois que Clank a été délivré, voilà, ce sera fini. Donc moi, ce prochain, il n'y aura pas un gros live. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y aura toujours le mardi pour se rattraper. Hein. D'ailleurs, je vous invite à venir me retrouver demain. Hein. Demain, c'est du God of War, mais sur PlayStation 2. Donc j'aurai la caméra, hein, comme un retour vers le rétro, sauf que ce ne sera pas un retour vers le rétro. Je vais garder la même structure. Quoique, je vais pas mettre d'intro ni quoi que ce soit. Je ferai comme je fais là, hein. Je vais couper instantanément. Puisque le but ce n'est pas de faire un retour vers le rétro, mais c'est bien de continuer l'aventure de God of War. Bon bah c'est tout, il me reste... la précédente vidéo, j'ai pas pu vous présenter... Enfin, je vous avais présenté le programme, mais comme je suis pas très bien audible, je vais vous l'annoncer ce soir sur cette vidéo-là, puisque ça a l'air de fonctionner. Donc, demain soir, vous me retrouverez sur PS2 avec God of War. Et mercredi soir, vous me retrouverez dans l'émission Retour par le rétro. Et cette fois-ci, je vais streamer de la Xbox, en premier live Xbox. Et je vais faire du Forza Motorsport 1. Forza Motorsport. Ou Motorsport plutôt. Et bon, il y avait comme autre choix Project Gotham Racing 2, mais je pense pas que je vais le faire, j'aurai pas le temps de tout faire, donc ce sera un Forza Motorsport et ce sera déjà pas mal pour mercredi soir. Donc n'hésitez pas à venir redécouvrir ces jeux avec moi si vous les avez pas connus ou si vous les avez connus, histoire de passer un bon moment de nostalgie. Voilà, bon bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine à vous, bon courage, bonne nuit, et je vous donne rendez-vous demain soir vers 20h30, 21h. Allez, salut, à demain!